Ne vous fiez pas à tout esprit, mais mettez les esprits à l'épreuve pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Voici comment reconnaître l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu dans la chair est de Dieu. Et si un esprit ne déclare pas publiquement que Jésus-Christ est venu dans la chair, il n'est pas de Dieu. C'est l'esprit de l'Antichrist. Vous avez appris sa venue, et maintenant déjà il est dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous avez vaincu ces faux prophètes, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent selon le monde, et le monde les écoute. Depuis le 8 juillet 2002, tous les élus de Dieu savent que fonder sa foi sur la Bible, espérant avoir le salut, est une arnaque du diable. Et que quiconque se lève sur la face de la terre pour prêcher le salut par la Bible est un démon. Vous voyez, depuis le 8 juillet 2002, les yeux des élus sont ouverts et les élus marchent à la lumière du prophète Kakou Philippe. Donc à chaque fois, il s'agit de changer le caractère de Christ. Pour celui qui ne croit pas en Christ comme étant Dieu dans la chair, venu sur cette terre, mort sur la croix, ressuscité au troisième jour pour ses péchés, celui qui ne croit pas là-dedans ne peut pas être sauvé. C'est l'enfer éternel, dit la parole de Dieu. Jésus-Christ lui-même a dit dans Jean 9, verset 5, que pendant que moi je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Et quand Jésus-Christ était dans le monde, il a engagé, il a déjà établi des apôtres. Et les apôtres ont bien fait leur travail. Et je suis vraiment surpris de ce que quelqu'un me dit de venir parler de Jésus. Si qui parle de ressusciter les Pierre, les Jean et Jacques, vous venez de parler de Jésus parce que c'est eux qui sont les disciples et les apôtres de Jésus. Mais moi et tous qui sommes ici, nous sommes disciples et apôtres, pasteurs du prophète Kakou Philippe. Amen. Et que quelqu'un veut ou pas, partout où nous irons, c'est de Kakou Philippe que nous avons prêché. Parce que les auditeurs, ceux qui m'entendent, sachent que aujourd'hui, Kakou Philippe est la lumière du monde. Et si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas. Car de faux Christ et de faux prophètes se lèveront. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de tromper, si c'était possible, même les élus. Voilà, je voulais annoncer d'avance. Donc à chaque fois, il s'agit de changer le caractère de Christ. Pour celui qui ne croit pas en Christ comme étant Dieu dans la chair, venu sur cette terre, mort sur la croix, ressuscité au troisième jour, pour ses péchés, celui qui ne croit pas là-dedans ne peut pas être sauvé. C'est l'enfer éternel, dit la parole de Dieu. Pour celui qui ne croit pas en Christ comme étant Dieu dans la chair, venu sur cette terre, mort sur la croix, ressuscité au troisième jour, pour ses péchés, celui qui ne croit pas là-dedans ne peut pas être sauvé. C'est l'enfer éternel, dit la parole de Dieu. C'est Jésus le chef suprême de son royaume. Kakou Philippe, né en décembre 1972 à Katadji, dans le département de Sikentis, en Côte d'Ivoire, est le fils d'un cultivateur illettré. Il est rapporté qu'avant sa naissance, un mystérieux chant est entendu dans le ciel une nuit vers 22h. Le journal du cinquantenaire de l'église des assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire, datant de juillet 2008, relate le dit chant d'ange dans les détails. Après l'école primaire, Kakou Philippe ne fait que les quatre premières classes du lycée. De 1992 jusqu'au commencement de son ministère en 2002, il passe l'essentiel de son temps comme manœuvre sur les chantiers de construction. Tout est parti d'une vision qu'il a le 24 avril 1993. D'abord, c'est vers un prêtre catholique qu'il va pour comprendre le sens de la vision. Ensuite, il va vers les baptistes avec qui il passe 3 mois, puis il rencontre le mouvement de William Branham, un évangéliste américain avec son mouvement qu'il reste comme simple fidèle de 1993. Jusqu'en 2002. Kakou Philippe débute ses prédications publiques en juillet 2002. Après une seconde visitation de l'ange qu'il a en 1993, il s'est dit être le prophète messager du cri de minuit selon Matthieu 25:6. Pour Kakou Philippe, toutes les églises servent le diable au nom de Jésus-Christ. Il rapporte plusieurs fois une autre vision qu'il a en 1993 et dans laquelle il dit avoir vu les dirigeants d'églises sous des formes étranges. Leur corps était des corps d'hommes, mais leur tête était des têtes d'animaux différents. Alors s'ouvrent les premiers débats et confrontations. Pour Kakou Philippe, l'église commence avec Jean le Baptiste et c'est le baptême de la repentance. Puis vient le baptême de la rémission des péchés avec les apôtres, puis le baptême de la justification par la foi avec Martin Luther, puis le baptême de la renaissance de l'église après les premières persécutions romaines, puis le baptême d'adoption, puis le baptême de la sanctification avec John Wesley, puis le baptême de la restitution avec Kakou Philippe, puis le baptême de la restauration avec William Branham, et enfin le baptême de la restitution avec Kakou Philippe. Et il affirme qu'en dehors de cela, tout autre baptême est faux, même si cela est fait au nom de Jésus-Christ ou au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit par immersion.
Cacophilippe voit la Bible comme le rétroviseur d'une voiture ou un livre d'histoire. Pour lui, la Bible est un vestige de la préhistoire chrétienne et judaïque et ne peut en aucune manière donner la vie éternelle. Il brûle toutes les versions des Bibles qu'il trouve dangereuses pour la foi, à l'exemple de Tob, King James, Thomson, Scofield et Louis Gore. Cacophilippe redéfinit ce qu'est la parole de Dieu, faisant la différence entre la parole de Dieu, les vérités révélées, et la théologie, les connaissances acquises par le moyen de l'intelligence. Il redéfinit la divinité de Jésus-Christ, la confession des péchés qui doit être publique, la place de la femme dans l'église, le baptême d'eau, le Saint-Esprit, le prophète, la Bible, le rapport entre l'église et l'État et plusieurs autres aspects du christianisme. En dehors des textes et des vidéos, il redéfinit tout le christianisme dans un ouvrage appelé le livre du prophète Cacophilippe. En mars 2008, Cacophilippe rassemble tout le corps religieux ainsi que des journalistes et la société civile dans une conférence sur le christianisme. C'est le procès contre les églises. Le journal le qualifie comme étant le maestro de la parole de Dieu. C'est après cette conférence que paraît à la une d'un autre journal, un prophète déshabille les hommes de Dieu comme William Branham. Cacophilippe fait état d'une présence surnaturelle qu'il attribue à l'ange du 24 avril 1993. Messieurs et dames, en comptant sur votre admirable attention, notre plaisir a été de vous donner au travers de la lecture de ce résumé introductif une partie de l'histoire, des aventures, des actes et des actions du très blasphémateur Cacophilippe ou encore, questionnement parlant, du très véridique Cacophilippe. Des questions se posent autour de ce personnage dont les suiveurs vouent un culte continuel. Ils prêchent Cacophilippe, ils annoncent, défendent et même prêtent à mourir pour certains pour Cacophilippe. La renommée de cet homme commence à dépasser la moyenne et aussi la démarche est semblable à celle de l'homme impie qui se programme lui-même Dieu selon 2 Thessaloniciens 2. Et aussi de cet homme impie annoncé dans Daniel 7, 25 et suivant, qui espérera changer les temps et la loi, comme le font plusieurs de ses acolytes de la religion négro-africaine. Est-ce l'un des précurseurs de l'Antéchrist? Est-ce de sa part un tapis rouge déroulé pour accueillir l'Antéchrist? Serait-il le sauveur du monde? Irait-il aussi à la croix peut-être? Si oui, qui était Christ? Sinon, qui est-il? Qui est cet homme qui traite la Bible de fétiche et traite tous ceux et celles qui utilisent la Bible de féticheurs et de démons? Qui est cet homme qui change la gloire de Dieu en dissolution? Qui est cet imposteur intrépide et risque tout, qui défend ses idées hardiment et avec véhémence, sans aucune forme de procès? Des questions et des réponses dans ce programme pour un but instructif. Vous et nous, le frère Junior y compris, en parlant énergiquement ce soir, votre fidélité continue à l'égard de ce programme fera toujours pour nous l'objet d'une grande satisfaction. Bonsoir à tous et à chacun et merci d'avoir choisi l'émission. Que la crainte de l'Éternel soit sur nous pour votre édification. Jésus, tu es ma foi, tu es ma loi, tu es ma force, tu es unique. Frère Junior, bonsoir. Bonsoir Billy, bonsoir tous les auditeurs de Dynamique FM. Est-ce que Jésus-Christ est unique? Il est unique, il est unique en son genre parce qu'il est l'unique Dieu, le Dieu véritable. Comment est-ce que c'est lui unique alors qu'il y en a plusieurs qui disent que Jésus, eux aussi, ils sont le salut, frère Junior. Ah ben, et la Bible déclare que pour les autres, il existe plusieurs autres voies. Pour nous, il en existe en réalité un seul Dieu qui est au-dessus de tout et en nous tous. Que la crainte
Très heureux de vous compter parmi nous, hein, mesdames, messieurs. Vous écoutez l'émission Que la crainte l'éternel soit sur nous avec Lim Landry à la partie technique ce soir, avec qui on ira jusqu'à 21h50. Vous aussi, vous pouvez intervenir par appel direct, non, par SMS uniquement, au travers du 6-71-02-04-85, 6-91-60-02-84. Frère Junior. Oui. On a quelqu'un qui se prétend être Kakoufi, vous le connaissez quand même. Oui, je le connais parce que je vous ai dit sur les antennes que je suivais tous ceux qui pervertissent la parole de notre Seigneur, et je suis prêt à en découdre avec chacun d'eux parce que c'est l'une des missions. La mission qui m'a été donnée, c'est de restaurer la doctrine de l'Église. Donc, puisque nous sommes de parler de cet individu Kakoufi, je crois qu'il y a ses apôtres, ses pasteurs, ses évangélistes, ses disciples dans la ville. Je crois qu'il faut répéter le numéro pour qu'il puisse intervenir à l'émission. Voilà, je reprends le numéro. 6-71-02-04-85, 6-91-60-02-84. Je rappelle que Lim Landry assure la partie technique et le frère Junior, notre invité constant permanent comme tous les soirs. Et ce soir, oui, comme vous l'avez écouté à l'introduction, on parle de Kakou Philippe. Est-il, oui, un vrai ou un faux prophète? Est-il ou non un imposteur? Oui. Et en cela, donc, on écoutera trois extraits des propos de lui-même et de ses acolytes au fil de l'évolution de l'émission qui ira jusqu'à 21h50. Frère Junior lui parle, oui, beaucoup plus, il met beaucoup plus l'accent sur le cri de minuit. Oui. Vous, maintenant qui êtes homme de Dieu, on aimerait avoir ce que c'est que le cri de minuit. En fait, la Bible, dans le domaine prophétique, le cri parle effectivement d'un message. Donc, il y a un message qui doit être prêché. Quand la Bible, dans le Matthieu chapitre 25, le verset 6 dont il est question, avant de répondre à votre question, souvenez-vous qu'il n'est pas seul dans ce cadre de cri de minuit. En Côte d'Ivoire, il y a Zabka Didier qui se réclame de l'auteur de cri de minuit, de celui dont Dieu a envoyé. Il y a aussi Mbra Parfait qui est également en Côte d'Ivoire et qui ont eu beaucoup de démêlés là-bas avec ce cri de minuit. Donc, parlant de cri de minuit particulièrement, il s'agit d'un message, et le message est contenu dans le passage dont il est question, puisque la Bible déclare qu'au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez en sa rencontre. Donc, c'est une voix qui est censée annoncer l'époux qui est en train de venir. Donc, c'est une voix, c'est un ministère qui doit préparer l'épouse pour aller à la rencontre de l'époux. Donc, en fait, c'est de ça les questions dans le cri de minuit. Donc, Kakou Philippe s'érige avec Apocalypse chapitre 12, verset 14. Et qui est-ce que est censé prêcher ou annoncer le cri de minuit? En réalité, lorsque vous voyez l'émission que nous avons et les thèmes qui est dans l'émission, lorsque nous voyons ces choses-là, nous voyons effectivement que le temps qui nous a imparti n'est pas assez grand pour annoncer. Mais je vais aller de façon sommaire pour vous annoncer quelque chose. Lorsque nous disons Apocalypse, ça veut dire la révélation, le livre de révélation, nous voyons que le Seigneur adresse, lorsqu'il s'est présenté à Jean, le message aux sept églises. Et il dit, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, la première église, à l'église de Thyatire, Smyrne, Sardes, Philadelphie, ainsi de suite, jusqu'à la dernière église, Laodicée. Et le mot ange de l'église qui est écrit là-bas, ce n'est pas un ange au sens spirituel, au sens de Gabriel ni de Michael. Mm-hmm. Parce que Michael n'a rien à voir avec l'église là. Ah, parce que Dieu nous fait le refuge, il fait le repos, il fait des félicitations dans chacun des cas, en dehors de l'église de Laodicée. Mm-hmm. Maintenant, chaque fin de verset, de chapitre, de ces messages aux églises, il va dire que celui qui a des oreilles entend ce que l'esprit dit aux églises. Ah, donc, après, ça va dire, écrit à l'ange de l'église au singulier, il dit à la fin que ceux qui ont les oreilles entendent ce que l'esprit dit aux églises. Mmh. Donc finalement, on comprend que dans le plan de Dieu, dans le plan de la dispensation, l'âge de l'église est divisé en sept parties. Ah, et Dieu érige ainsi chaque messager. Il y a un messager principal pour chaque dispensation de cette église là. Mmh. Et donc le message qui est donné au messager de l'église est inclus, c'est-à-dire le message est adressé aux dirigeants, aux chrétiens de cette dispensation. Ah, d'accord. Par conséquent, vous allez voir effectivement à l'église de l'Odyssée, qui est notre époque, il dit, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi. On a parlé de ce verset-là plusieurs fois ici. Mm-hmm. Il écrit à l'ange de l'église de l'Odyssée, voici ce que j'ai contre toi. Tu dis que tu es riche, tu es misérable, mais tu ne sais pas que tu es aveugle, pauvre, et misérable et nu. Mm-hmm. Par la suite, il va dire que je reprends ceux que j'aime, je reprends et châtie ceux que j'aime. Si quelqu'un a des oreilles qui entendent ce que l'Esprit dit aux églises. Donc, sur les caractéristiques des églises qui sont décrites comme ça. J'ai dit, je vais comme ça dans la profondeur pour pouvoir vous répondre. Voilà, frère Junior, vous allez continuer à la seconde partie de l'émission. Mesdames, messieurs, ne quittez pas. On va prendre la publicité qui dure 10 minutes. On reprend l'émission à 21h00, on va tout de suite. Vous êtes sur Dynamic FM. La vie. Bienvenue, chers frères et sœurs en Christ. Voici l'évangile qui libère, votre émission. Cet évangile n'est pas nouvelle. Mais plutôt ancien, caché aux sages et aux intelligents, mais révélé au Fils de l'homme à la fin des temps. Est-ce que depuis que tu as cru à Jésus, tes péchés ont disparu? Sont-ils effacés? Esprit, dis le Seigneur.
effacées définitivement. Sont-elles parties de ton corps? Est-ce que tu pêches encore? Voilà autant de questions auxquelles tu auras des réponses. Chers frères et sœurs, écoutez l'apôtre Noé Mankolo tous les mardis, jeudi, samedi à partir de 19h et tous les dimanches à partir de 6h sur Dynamique FM, la radio des grands défis. Et Jésus qui règne, tu n'as pas d'autorité maladie. Il règne, tu n'as pas d'autorité. C'est Yahweh qui règne, tu n'as pas d'autorité. Il règne, tu n'as pas d'autorité. Salut à tous et bienvenue sur la modulation de fréquence. Mon nom est Billy Collard. Je suis d'avis que vous ayez la crainte du Seigneur au travers des instructions du frère Junior. La Bible déclare que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Si c'est ton corps où il habite, tu parles de ton temple où il est encore. Amen. L'église du Seigneur, son corps. Vous êtes membres chacun pour sa part. Nous tous, nous formons son corps. Peut-être tu es l'œil, peut-être que tu es l'oreille. Chacun doit faire sa fonction. Jésus est la tête. Amen. Et vous êtes blanc ou vous êtes blanc. Vous êtes chrétien, vous êtes mondain, c'est ça, vous devez choisir le camp. Suivez la parole de Dieu, la sainte doctrine, et de suivre le ménage et aller à la confusion. Amen. Entre vous et nous, le rendez-vous, c'est tous les vendredis entre 20h30 et 21h50 dans l'émission Que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Merci d'être à l'écoute pour ces moments de construction et de déconstruction tous les vendredis sur la fréquence 103.9 Dynamique FM. Le monde est en train de bouillir. Le feu est prêt à frapper dans ce monde-ci. Les vrais enfants du Seigneur doivent être enlevés d'un moment à l'autre. Dynamique FM. Dynamique FM, il est 21h. De retour sur ce plateau pour la suite de ce programme, l'émission « Que la crainte de l'Éternel soit sur nous ». Tous les vendredis 20h30, 21h50, mesdames, messieurs, avec ce soir Lynn Landry qui assure la partie technique de l'émission et le frère Junior est notre invité constant et permanent comme tous les soirs. Vous aussi à l'écoute de l'émission, vous pouvez appeler ou encore envoyer des messages au travers des 6 71 02 04 85. 6 91 60 02 84. Je reprends les contacts. 6 71 02 04 85. 6 91 60 02 84. Appel direct ou SMS. Avant qu'on parte à la pause, je tiens à nous parler du cri de minuit. Oui, donc je disais, donc le cri de minuit, en réalité, vous aviez posé la question, est-ce un message qui doit l'annoncer? J'étais sur le point d'expliquer la dispensation, les différentes découpures selon le plan du Seigneur dans Apocalypse chapitre 2 et chapitre 3. On nous parle de cette église, donc je vais aller de façon brève. Ceux qui lisent la Bible vont comprendre. Donc il y a 7 messagers normalement pour les différentes dispensations de l'église. Et c'est clair dans le plan du Seigneur que nous sommes dans la dernière dispensation. Il ne peut pas avoir plus de 7 messagers comme Dieu lui-même l'a destiné. Donc ça veut dire que s'il y a un messager à donner, s'il y a un message à donner, c'est au messager de cette époque-là que Dieu va donner. Mais le problème, c'est que vous voyez effectivement sur le site des Caco Philippe, il dit qu'en décembre, un sauveur nous est né, un sauveur pour l'humanité. Et il y a de la lumière au-dedans de lui. Et Raël, souvenez-vous, Raël est né lui le 25 décembre. Ah, d'accord, qui est ce messager? Est-ce une personne physique ou... En fait, c'est une personne de l'église. C'est-à-dire que ce sont des porte-paroles. Comme par exemple, l'apôtre Paul était un prophète messager. Ah, c'est ce que la Bible déclare. Si vous lisez, il a un message, il a été commissionné par Dieu. Et dans Actes chapitre 13, la Bible déclare qu'il était un prophète parmi les. Verset 1 et 2, il servait Dieu dans le ministère. Il y avait des prophètes et des docteurs. Seul était parmi. Donc, seul était un prophète messager. Et c'est ce dont on commence à voir donc des similitudes. Ou bien, c'est les modèles qui nous ont donné dans la Bible peuvent être utilisés maintenant pour contredire et voir si oui ou non Kakoufou respecte les règles. Ah, d'accord. Et le messager même de cette époque, c'est qui? C'est toujours... En fait, non. Il y a une chose qu'on doit savoir. La Bible est immuable dès le départ. D'accord. C'est pour ça qu'il faut bien expliquer certaines choses. Parce que le temps, franchement, dans la Bible, parce qu'avec Kakoufou, il faut qu'on se comprenne. Parce que Kakoufou, c'est né au niveau des apôtres, enfin, des prophètes comme Esaïe, Jérémie et autres. C'est pour ça qu'il peut écrire son livre. Selon lui, la Bible devrait avoir, au lieu de son 6 livres,
livres, 67 livres. Non, en fait, il ne dit même pas comme ça. Si c'est comme ça, il peut dire que ça, il érige son livre au-dessus de la Bible, puisque vous avez votre propos qu'il considère la Bible comme un rétroviseur. Un livre d'histoire qu'on peut placer au musée, au musée. Mm-hmm. Donc, il peut seulement de temps en temps aller consulter lorsqu'il faut pour défendre. Mm-hmm. Et vous, dans un de ses propos, il cite la Bible, dans une autre partie, il ne peut pas, il ne cite pas la Bible. Frère Jean, il dit que Matthieu 25, 6 et Apocalypse 12, 14 annoncent Apophilite, oui. Tandis que Ésaïe 49, 6 annonce Paul, oui. Et Ésaïe 62 annonce Jésus-Christ. Voilà. Mm-hmm. En fait, lorsqu'on fait cette distinction, remarquez très bien dans Ésaïe, il a cité les deux premiers pour le Seigneur Jésus-Christ et pour l'apôtre, il a bien cité. Mais pour lui, c'est mal cité. C'est ça, je vais en venir. Dans Actes chapitre 13, effectivement, vous allez voir effectivement comment l'apôtre Paul va citer Ésaïe 49 en disant que ainsi nous a ordonné le Seigneur. L'apôtre Paul s'est appliqué Ésaïe chapitre 41, verset 9, mm-hmm. en disant que ainsi nous a assigné le Seigneur. Mm-hmm. J'étais étalé pour être la lumière des nations. Ah, donc l'apôtre Paul devait aller porter le salut. Le salut, ce n'est pas l'apôtre Paul qui était le salut. C'est ça le vrai problème. Ah, d'accord. L'apôtre Paul ne partait pas prêcher lui-même. Transporter la lumière vers les nations. C'est Christ qu'il présentait. Ah, d'accord. Il a dit clairement dans ses écrits que je n'ai pas eu autre, à savoir autre, au milieu de vous autre chose que autre que Christ crucifié. Mm-hmm. C'est pour ça qu'on commence à voir donc la différence. C'est pour ça qu'il dit que lorsqu'il va présenter ses discours avec ses mensonges et lucubrantes comme ça, on pourra prendre maintenant pour le contredire. Mm-hmm. Lorsqu'il cite l'apôtre Paul donc, en disant que l'apôtre Paul s'est appliqué cela, Jésus-Christ s'est appliqué cela, Christ, Jésus-Christ est le modèle parfait et c'est l'auteur même du salut. Parce que son nom Yeshua veut dire Dieu est salut. Mm-hmm. Il est venu pour le salut. Dans Luc chapitre 1, lorsque Zacharie va le présenter, il va dire qu'effectivement que voici la lumière que tu prépares pour les nations, pour ton peuple, le salut que tu avais prévu. Donc les promesses faites au Père, tu l'as manifesté maintenant. Mm-hmm. Donc c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est le salut. Ah, ce n'est pas une autre personne. Ah, le salut, dit la Bible, dans Actes chapitre 4, verset 12, ne se trouve en une autre. Le salut se trouve dans une seule personne et une seule personne unique. Les prophètes messagers ne sont pas le salut. Ah, d'accord. Ils doivent guider les gens vers le salut comme tous les autres croyants et les autres chrétiens qui prêchent la parole. Ah, d'accord. On guide quelqu'un vers l'unique lumière qui est le pôle, cette étoile-là. Analysons un petit peu, frère Junior, ce texte du livre de Kakou Philippe. Oui. Dans Kakou 11, il dit « Je ne cesse de vous inviter à la sagesse. Ne commettez pas les mêmes péchés d'Israël contre les prophètes, de Rome contre les saints. » Et en nous maudissant, me traitant de démon, d'antéchrist, et ce que je prêche de prédication novakine. Oui. Sachez que c'est à Dieu que vous le faites. J'étais païen le 24 avril 1993. Dans une vision, j'ai reçu la conversion et le lendemain, tandis que j'étais assis en famille, j'étais transporté en vision dans un pays tout désert et j'ai reçu commission de prêcher le jugement. C'est après ces deux visions que je suis allé à l'église pour la toute première fois. Oui. Il dit, et si vous ne pouvez pas prendre la Bible pour contredire ce que je prêche, restez donc tranquille. Amen. Ne rechargez pas de malédiction. Je n'ai jamais été à un séminaire ou à une formation biblique quelconque et je ne lis pas les livres de vos librairies dites chrétiennes car celui qui m'a envoyé est avec moi. Et ça, ce n'est qu'un pur mensonge parce que vous voyez le développement qu'il fait pour étudier qui était d'habit. Il va nécessairement lire dans un livre. Ah, d'accord. C'est un pur mensonge. Ah, d'accord. Sur ce plan-là, directement, il est arrêté. Ah, d'accord. Pour qu'il puisse parler des Tibi Joshua, toutes les autres personnes bénies, il va falloir qu'il lise quelque chose. Donc, c'est un pur mensonge. Mm-hmm. Donc, ça, c'est un. Mais un point important, vous dit. Qu'on le contredise avec la Bible. Avec la Bible. Et vous, nous allons aller sur ça. Donc, ça donne le droit de prendre la Bible pour le contredire. C'est quand même un paradoxe. C'est pour ça qu'il vous a dit que c'est un paradoxe avec ces gens-là. Mm-hmm. De l'autre côté, lorsqu'on va le présenter cela, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire que qui es-tu? Et ses disciples vont le dire, qui es-tu pour juger un prophète messager? Tu ne dois pas juger. Ah, après, ils vont dire que qui est ton prophète? Mm-hmm. Toi, si tu es chrétien, je crois que c'est son site qui a posé la question, si tu es chrétien, qui est ton prophète? Comme si un chrétien est censé avoir son prophète. Ah, d'accord. Donc, vous avez fait autant de choses. Allez-y. Oui. Donc, maintenant, prenons par exemple, tout à l'heure, vous avez dit que son message, il s'est lui-même autoproclamé. Auteur de Matthieu chapitre 25 verset 6 et puis Apocalypse chapitre 12 verset 14. Dans cet Apocalypse chapitre 12 verset 14, il est question des deux grands ailes, des deux ailes de grands aigles qui est donné à la femme pour qu'elle puisse s'enfuir dans le désert. Ah, d'accord, ah, d'accord. Voilà. Maintenant, donc, il s'érige cette prédication en disant que les deux ailes de Matthieu chapitre 25 verset 6 et Apocalypse. Et vous voyez effectivement, pour ceux qui lisent la Bible un peu, c'est deux versets qui se contredisent clairement. Ah, mais qui ne parlent pas des mêmes personnes. Mais en même temps, puisqu'il dit que la Bible c'est un livre d'histoire. Ah, c'est pour ça qu'il veut parler de ce paradoxe-là. Il dit qu'on prend la Bible pour le contredire. Il appelle la Bible le canari de fétiche. Mm-hmm. Ils disent que la Bible doit être lue, doit être mise dans le musée. Et en même temps, il dit à ses disciples de lire la version d'Abi. Et la version d'Abi dont nous allons venir. Je crois que, je sais, nous avons traité le cas des différentes versions de la version de Bible. Oui. Avant qu'on arrive à cela, oui. C'est quand même étonnant puisqu'il dit que la Bible c'est de l'histoire oui. ancienne et même de la préhistoire. Oui. Et il reconnaît quand même les témoins
d'Apocalypse qui sont encore à venir. Absolument. Et ça veut dire que si on brûlait toutes les Bibles maintenant, ça veut dire qu'à moins qu'il va encore écrire et avoir une autre révélation pour ceci Apocalypse, parce qu'il y a des choses dans cette Bible que nous avons qui ne sont pas encore accomplies. Et dans l'ancienne, par exemple, la construction de Jérusalem, c'est écrit dans le livre d'Ézéchiel clairement comment ça va être construit. Et dans toutes les autres parties des prophètes, les choses qui vont arriver à Jérusalem, à Israël, tout autour. Frère, nous analysons Kakou 6, verset 1. Il dit, nous savons selon Matthieu 24, 27 que l'évangile est sorti de l'Asie, de l'Orient avec Paul et les autres apôtres. Oui. Est-ce que c'est vrai? Est vrai ou faux? C'est vrai. Il dit que l'évangile est venu de l'Asie. C'est exactement ça. En fait, quand il parle de l'Asie, il faut parler de l'Orient. Parce que le Moyen-Orient, c'est de là où sort l'évangile. L'évangile sort du Moyen-Orient. On ne peut pas dire le contraire. Ah, d'accord. C'est sorti de chez les Juifs. Le salut vient des Juifs. C'est ce que la Bible déclare. Ah, d'accord. C'est Jésus qui a dit dans Jean chapitre 4 que le salut vient de là. Et ça doit parcourir maintenant pour rentrer. Jésus a dit que comme l'éclair part de l'Orient et se monte en Occident, ainsi sera l'avènement des fils de l'homme. Ah, d'accord. Le parcours. Ah, d'accord. Ça doit parcourir. Maintenant, avant de prendre le premier élément sonore, on va donc analyser encore un dernier texte avant d'aller prendre le premier élément sonore de la soirée à partir duquel vous allez donner des contradictions. Et d'éclairer ceux qui devraient être éclairés. Et particulièrement ses disciples à lui. Voilà, il dit, je suis venu à la conversion 24 avec 93 selon Daniel 10, 4 à 11h par une vision dans laquelle je me vis debout sur le sable de la mer, puis au sommet d'une haute pyramide, puis à nouveau sur le sable de la mer par une autre, à un autre endroit. J'ai vu un vieux camion qui était sorti des profondeurs de la mer et s'en allait derrière moi. Je me suis tourné et j'ai vu qu'il contenait des personnes toutes vivantes. C'était des femmes et l'une d'elles était métisse. Puis deux colombes vinrent vers moi et repartirent sur les eaux. Il y eut une éclipse. Voilà. Puis un homme ayant l'apparence du muet et tenant une épée descendit du ciel avec un agneau et la terre fut à nouveau illuminée. Oui. Ils s'arrêtèrent sur les eaux et l'agneau se mit à me parler dans une langue inconnue, frère. Et c'est là le vrai problème. Il y a plusieurs choses à dire sur cette vision. C'est vrai qu'il a donné l'interprétation en disant que les femmes étaient des choses, quand même militaires, c'était ainsi de suite. Frère, non, particulièrement sur l'agneau, sur la vision de l'agneau. L'agneau et de l'ange. Là, on voit effectivement qu'il y a déjà un problème. Mm-hmm. Il y a déjà un problème. Du fait que s'il y a un faux prophète, un vrai faux prophète de notre temps, c'est celui-ci. Donc, vous voyez qu'il présente, il dit qu'il y a un ange, qui est celui qui est comme avec l'agneau, avec l'épée. Et donc, il s'agit l'agneau. La Bible parle de Jésus, l'agneau. Donc, l'agneau est venu lui parler en langue inconnue. Lorsque l'apôtre Paul, l'agneau s'est révélé à l'apôtre Paul, il lui a parlé en langue hébraïque, en langue qu'il comprenait. Il envoie un messager, c'est-à-dire qu'un ange qui est censé être là. Puis il parle encore de cet ange-là, un autre ange qui est à côté, l'agneau. Donc Jésus est à côté avec l'agneau, mais c'est Jésus qui parle. Il y a un problème. Et en fait, dans l'explication de cette songe, il parle dans une de ses prières qu'il va faire pour membres de ses congrégations. Il dit, toi, l'ange de l'Éternel de 7 avril 93. Donc vous voyez effectivement que à cet instant, remarquez très bien que même dans sa commission, il a dit que lorsqu'il est converti, il est allé dans l'église, aller à l'église. C'est un prophète messager qui ne connaît pas ce qu'on appelle église. Il croit que l'église est un lieu. Il dit le simple fait, les petites choses que les disciples du Seigneur qui connaissent aujourd'hui, voici un prophète messager qui est censé amener le Seigneur qui ne connaît pas. Donc il dit qu'il est parti à l'église. Donc il croit que l'église est un lieu. Il va dire que c'est à l'église catholique qu'il est parti. Donc effectivement que ce prophète messager, il faut seulement la diligence. Enfin, on va écouter dans le premier élément sonore de la soirée et on revient juste après, à tout de suite. Lorsqu'on parle du cri de minuit, le cri de minuit n'est rien d'autre qu'une promesse de Dieu dans Matthieu chapitre 25, le verset 6. La Bible dit dans Matthieu chapitre 25 à partir du verset 1 que le royaume des cieux sera fait semblable à 10 vierges qui allaient rencontrer l'époux. Il y avait 5 sages et il y avait 5 folles. Et il se trouve que comme l'époux tardait, elle s'assoupit toute et s'endormit. Mais au milieu de la nuit, c'est-à-dire à minuit, il se fit un cri. Voici l'époux sortait à sa rencontre. Donc, c'est une promesse de Dieu annoncée dans Matthieu chapitre 25, précisément au verset 6. Et lorsqu'on parle d'un cri, vous voyez, prophétiquement, un cri symbolise un message. Jean-Baptiste s'est levé, Jean-Baptiste a dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, comme Esaïe l'avait annoncé dans Esaïe chapitre 40, le verset 3. Mais ce cri que Jean-Baptiste a émis dans le désert n'était pas un cri fortuit, mais c'était un cri qui exprimait un message, une parole que Dieu lui avait révélée. Vous voyez, en accomplissement d'Ésaïe chapitre 40, verset 3. Vous voyez, de l'autre côté là-bas, Dieu a dit à Jonas, va émettre un cri à Ninive. Et Jésus-Christ a expliqué que ce cri de Jonas, en fait, était une prédication. Donc, le cri de Matthieu 25, 6 est une prédication qui doit être prêchée sur la terre par un prophète. Parce qu'il est dit dans Amos chapitre 3, le verset 7, que Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. C'est les prophètes qui sont la bouche de Dieu sur la terre. Et en chaque génération, Dieu a un prophète par qui et au travers de qui il se révèle. Et vous voyez, un prophète, c'est avant tout un appel et une commission.
et le 24 avril 1993. Alors qu'un homme n'était pas chrétien, il a eu une vision. Parce qu'un prophète, ça commence avant tout par une vision. Ça ne commence pas par une formation théologique, ça ne commence pas par un apprentissage de versets bibliques, mais un prophète, c'est avant tout un appel et une commission. Au niveau de Moïse, de l'autre côté là-bas, il y a eu une vision dans le buisson Adam. Au niveau de Josué, il y a eu une vision de l'ange tenant l'épée. Au niveau d'Esaïe, il y a eu une vision. Au niveau de Kakou Philippe, il y a eu une vision le 24 avril 1993. Parce que Kakou Philippe est prophète comme les prophètes de la Bible. Et ce genre de prophète, ils sont uniques en leur temps, uniques en leur génération. Vous voyez, et Dieu envoie ce genre de prophète lorsqu'il n'y a plus de vérité sur la terre. Et donc le 24 avril 1993, le prophète Kakou Philippe a eu une vision dans laquelle Dieu s'est adressé à lui dans une langue inconnue. Et dans une troisième vision, l'ange de Dieu lui a dit, de la même manière que Marie a conçu miraculeusement sans connaître d'homme, de la même manière que Moïse a reçu dans les détails ce qui s'est passé à la création, toi tu as reçu les paroles de la vie éternelle ce 24 avril. Et cela est arrêté de la part de Dieu. Autant marqué tu comprendras et tu enseigneras ce que tu n'as pas appris afin que quiconque croit ait la vie éternelle. Vous voyez, le 8 juin 2002, le même ange est revenu pour lui dire le temps est arrivé, lève-toi et annonce ce que je t'ai révélé. Aujourd'hui, tous les élus qui sont sur la face de la terre ont entendu ce cri promis pour le réveil de l'épouse. Dieu peut parler de réveil ainsi de suite, réveil par-ci, réveil par-là, mais le réveil de Dieu, c'est par la parole prophétique. On parle de réveil lorsqu'un prophète est sur la terre. C'est le prophète qui apporte le réveil de l'épouse, le réveil des élus sur la terre. Depuis le 8 juillet 2002, tous les élus qui sont sur la face de la terre savent que, au travers du message du prophète Kakou Philippe, que les églises catholiques, protestantes, évangéliques, les missions, les ministères, toutes sortes de missions, toutes sortes de ministères, vous voyez, les témoins de Jéhovah, les Haris, toutes ces églises sont des filets de Satan pour conduire les gens en enfer. Depuis le 8 juillet 2002, la révélation de la langue inconnue promise dans Daniel chapitre 12, versets 8 à 10, étant prêchée, les élus de Dieu ont la connaissance que les Bibles Louis II, Tob, Scofield, Français Courant, Scampon, King James, toutes ces Bibles sont des canaries de fétiche. Et que tous ceux, vous voyez, qui détiennent ces Bibles, vous voyez, en réalité sont des féticheurs. Depuis le 8 juillet 2002, tous les élus de Dieu savent que fonder sa foi sur la Bible, espérant avoir le salut, est une arnaque du diable. Et que quiconque se lève sur la face de la terre pour prêcher le salut par la Bible est un démon. Vous voyez, depuis le 8 juillet 2002, les yeux des élus sont ouverts et les élus marchent à la lumière du prophète Kakou Philippe. Que la crainte de Dieu, que la crainte. Jésus-Christ lui-même a dit dans Jean 9, verset 5, que pendant que moi je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Et quand Jésus-Christ était dans le monde, il a engagé, il a déjà établi des apôtres. Et les apôtres ont bien fait le travail. Et je suis vraiment surpris de ce que quelqu'un me dit de nous parler de Jésus. Si il parle de ressusciter les Pierre, les Jean et Jacques, vous venez nous parler de Jésus parce que c'est eux qui sont les disciples et les apôtres de Jésus. Mais moi et tous qui sont ici, nous sommes disciples et apôtres pasteurs du prophète Kakou Philippe. Amen. Et que quelqu'un veut ou pas, tout ce que partout où nous dirons, c'est de Kakou Philippe que nous allons prêcher parce que les auditeurs, ceux qui m'entendent, sachent que aujourd'hui, Kakou Philippe est la lumière du monde. Et amen. C'est ce que n'est pas écrit dans la Bible. C'est pourquoi nous disons que la Bible, c'est un livre d'histoire. Amen. Et la Bible ne peut pas te sauver. Parce que tu as la Bible en main. Aujourd'hui, tu ne sais pas que lui, c'est bon que tu as. C'est un canari de fétiche. Toutes les sanctifications, tes homos, tout ça, c'est le diable. Est-ce que vous voyez? Donc, nous ne sommes pas les disciples de Jésus, mais nous sommes disciples de Kakou Philippe. Donc, si vous ne connaissez rien de la parole de Dieu, restez humblement tranquille et laissez les disciples de Kakou Philippe apporter la lumière du monde. Voilà, vous avez écouté, mesdames, messieurs, vous aussi, vous pouvez intervenir par SMS ou encore appel direct par, au travers des 6-71-04-85 ou encore 6-91-60-02.
84. Bonsoir, salutations à tous les auditeurs de cette émission depuis la Côte d'Ivoire et aussi ceux de Bambaïba, la chaîne sur laquelle on retrouve l'émission, frère Junior. Et je profite donc de l'occasion pour saluer le frère Agoron, Olivier Agoron à Yopogon et puis le frère Bambaïba et toute sa famille. Vous avez écouté, frère Junior, il est mentionnant. Et je crois que le dernier propos du dernier intervenant qui est l'un de ses apôtres en dit long. Ça montre clairement qu'en réalité, prêcher, discuter sur Kakou Philippe, ce serait de comparer Kakou Philippe même à Jésus. Mm-hmm. Puisqu'il dit, je le cite, nous ne sommes pas des disciples de Jésus, mais de Kakou Philippe. Mm-hmm. Ça règle le problème. Mm-hmm. Ça suppose que nous parlons de deux personnes qui se comparent. Mm-hmm. Il s'est érigé. En fait, il prend même la place Kakou Philippe, lui-même dans une de ses télévisions. Il dit clairement que je suis Kakou Philippe, je suis la lumière du monde. Mm-hmm. Il dit effectivement, comme on a vu dans ses vidéos. On va écouter, il y a deux éléments selon encore en suspens qu'on va écouter. Maintenant, j'ai noté, comme vous voyez sur. Ici, il dit, il parle des visions comme étant le signe d'authentique pour les prophéties, mm-hmm. pour établir les prophéties. C'est pour ça que chaque fois qu'il va parler dans votre propos également, vous avez lu, il dit que telle année, j'ai eu la prophétie selon Daniel 7. Mm-hmm. Il veut s'y diriger. Il fait tout et tout pour que les gens comprennent qu'il a eu ça comme la Bible dit. Donc, quand vous parlez de disciples, il peut par exemple dire que les disciples, que ceux qui marchaient avec Jean étaient appelés disciples de Jean. Oui, ça c'est vrai pour les gens. Le quand il s'agit de l'église, c'est toute autre chose. Ce qu'il a dit ici là, qu'ils ne sont pas disciples de Jésus. C'est clair, clairement. Comme ils servent Kakou Philippe et plus loin, ils vont encore même dire qu'ils ont l'esprit de Kakou Philippe sur eux. Mm-hmm. Bah, ils vont prendre le cas de Moïse, que Dieu va dire qu'il choisit par vous, 70 ans, et qu'il veut prendre l'esprit qui est sur toi. Voilà tant de choses. Mais je veux dire ceci, il faut qu'on comprenne une chose. Quand Kakou Philippe s'érige à la place du Seigneur Jésus-Christ, enfin, quand il dit qu'il est le sauveur, la lumière du monde, il prend les attributs de Jésus, il dit même plus loin qu'il est même le législateur et le seul juste sur la terre. Il n'y a rien de nouveau qui vient annoncer. Il dit, nous savons depuis tel nombre d'années, depuis le en décembre 93, que les catholiques sont ceci, ainsi de suite, ainsi de suite. Tout ça, on le sait, il n'y a pas besoin de prophète messager. Un prophète messager est connu par son message. Le message. Lorsqu'il dit, par exemple, son premier apôtre a dit là, j'ai dit son premier apôtre, il ne s'appelle pas l'apôtre de Jésus-Christ. Apôtre de Kakou Philippe. Kakou Philippe, c'est l'apôtre de quoi? Il a dit, oh, il faut qu'ils ne sont pas les apôtres de Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui est le prophète messager. Il établit dans les apôtres et autres là-bas. Souvent, nous avons pris le modèle exemplaire, l'apôtre Paul. Parce que si nous prenons Jésus-Christ, ça devient difficile. L'apôtre Paul n'a jamais institué quelqu'un comme étant son pasteur. Il ne s'est jamais érigé en au-dessus des autres et nommé les gens comme étant son pasteur. Tous étaient, lorsqu'il était avec Sylvain et autres, remarquez qu'il avait écrit aux Corinthiens, il avait Timothée. Quand il avait écrit aux Thessaloniciens, il va dire que nous aurons pu nous produire comme apôtres de Christ. Il considère Timothée, Sylvain et lui comme les apôtres de Christ. Il n'a jamais dit que Timothée était son apôtre. Voilà. Donc, ici, il dit que le message dans le cri de nous, dans Matthieu chapitre 25, dit au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez en sans rencontre. Après, il dit que c'est un prophète qui doit prêcher cela, un prophète messager. Il dit qu'il doit prêcher le message pour pouvoir. La Bible est claire ici, il n'y a pas de message codé. C'est dit ici, voici l'époux, allez à sans rencontre. Ah, il n'y a pas de message codé, comme il a dit que le secret, parce qu'il a dit tout à l'heure que Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. À moi, chapitre 3 là-bas. Mm-hmm. Mais il n'y a pas de secret ici. Ah, d'accord. Et c'est écrit qu'au milieu de la nuit, on cria que voici l'époux, allez sans rencontre. Je vais rappeler à tous ceux qui sont écoutés maintenant que Jésus n'a jamais dit qu'il va venir à minuit. Ah, d'accord. Donc, tous ceux qui parlent qu'il est minuit moins 2 minutes à la montre de Dieu, c'est ça. Il y a des élucubrations qu'il faut qu'on nettoie. Permettez-moi de lire la Bible en marche. Allez-y, frère, je vais rapidement parce qu'on a encore beaucoup de choses à faire. Oh, mon Dieu. Mesdames, messieurs, vous aussi qui êtes à l'écoute de l'émission, vous pouvez participer par appel direct ou encore SMS 6 71 02 04 85 6 91 60 02 84. Allez-y, frère. Verset 21 de Marc, chapitre 13, je vais lire. Il dit, si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici. Mm-hmm. Il est là, ne le croyez pas. Mm-hmm. C'est Jésus qui nous a dit. Donc, si on dit déjà que le Christ est quelque part, ne le croyez pas. Il y a beaucoup de personnes qui disent presque que Christ est sur la terre maintenant. Verset 21 dit, car il s'élèvera de faux Christ, c'est-à-dire les oies, mm-hmm. ceux qui ont le faux onction. Ah, d'accord. Puis, il dit, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, c'est au pluriel. Ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus s'il était possible. Mais là, il dit, soyez sur vos gardes, je vous ai à tout annoncé d'avance. Mais il après dit, mais dans 5 jours, après cette détresse, le soleil s'obscurcira, la lune devra plus s'allumer. Je vais rapidement au verset 31. Le ciel et la terre passeront, dit le Seigneur, mais les paroles ne passeront point. Mm-hmm. Après dit, pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges du ciel, dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Ah, après, il de la mise en garde encore, verset 33. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Ah, après, conclut, il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison. Remet l'autorité à ses, au pluriel, ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne aux portes.
entier de veiller. Donc on comprend que c'est la tâche du Seigneur Jésus-Christ. Il a départi des tâches aux gens, pas pour que quelqu'un prêche lui-même, mais c'est pour suivre pour le royaume. Mais là, on dit, veillez dans verset 35, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison. Il dit, quand viendra le maître de la maison, ou au milieu de la nuit, dont il est question dans Matthieu chapitre 25, au milieu de la nuit, 2. Ou au chant du coq dans le grand matin, à l'aurore. Ou le matin. Ah, d'accord. Donc il y a les quatre périodes possibles de la venue du Seigneur Jésus-Christ. Ah, d'accord. Il n'est nulle part dit que c'est à minuit qu'il va venir. Il dit, verset 35, craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Son arrivée venue soudaine. Et c'est exactement ce qui est en train d'être dit dans Matthieu chapitre 25. La Bible déclare que parce que l'épouse tardait à venir, toute s'assoupit. Et les vieilles sages et les vieilles folles. Et quand Philippe va dans sa Bible, dans son document, dit clairement que c'est seulement les vieilles sages qui n'étaient pas endormis. Pourtant, la Bible dit clairement qu'ils étaient endormis. Ah, mais permettez-moi, avant de vous passer la parole, de dire quelque chose qu'il a dit tout à l'heure. Là. Il a dit que, parlant des visions, il a parlé de la Bible. Si on fonde sa foi sur la Bible, on est des dieux. J'allais justement vous poser une question là-dessus, frère. Oui, allez-y. Parce qu'il dit, par exemple, que si on fonde sa foi sur la Bible, oui, on est un féticheur, oui, et que toutes les personnes qui utilisent la Bible sont, oui, des démons. Alors maintenant, il a érigé justement son livre à la place de la Bible. Uh-huh. Et il a défini effectivement comme l'esprit, l'empreinte du prophète, de l'esprit de Dieu dans le prophète. Uh-huh. Et c'est en ce sens-là qu'il peut ériger son document, Kakou Philippe, quoi, le prophète, le livre Kakou Philippe, au niveau de la Bible. Uh-huh. Et par conséquent, donc, si on érige également, si quelqu'un se fie à sa parole aussi, ce sont des... On va forcément écouter l'élément. On va écouter tout à l'heure. Pardon, on va écouter l'élément sonore tout à l'heure. Avant ça, j'aimerais, oui, une petite remarque, frère Junior. Il peut qu'il y a une forme de subtilité. Il dit que toutes les personnes qui utilisent la Bible sont des démons. Oui. Maintenant, moi j'ai comme un questionnement peut-être subtil. Oui. Dans cette Bible qu'on utilise, les versions 8 secondes et autres, oui, il se trouve l'Ancien Testament aussi. Absolument. Maintenant, Jésus-Christ, quand il prêchait, a utilisé l'Ancien Testament. Absolument. Paul et les autres apôtres ont aussi utilisé l'Ancien Testament. Selon lui, maintenant, il a la vision de Dieu qu'il faut banquer tout cela. Ce qui m'étonne en fait, c'est que ce même Ancien Testament que les Jésus ont utilisé se trouve dans la Bible. Absolument. Et il traite tous ceux qui utilisent la Bible de démons. Absolument, y compris dans Jésus. Mais il a entendu dire pour ceux de cette époque-ci. Mais je vais vous faire remarquer une chose. Lorsqu'il parle, l'un des apôtres a parlé de Jean chapitre 9 en disant que Jésus après s'est présenté comme étant la lumière en son temps. Il veut dire seulement que Jésus était la lumière seulement en sa période. Il rejoint là les musulmans qui disaient que Jésus a été seulement envoyé aux Juifs. Il ne dit pas il ne dit pas quoi que ce soit. Ah, d'accord. Maintenant, vous remarquez qu'au Bénin, il y a une femme qui a pris la place de Dieu le Père. Mohamed lui a pris la place du Saint-Esprit en citant dans le livre de Sourate chapitre 6, 61, verset 6, en disant qu'il y a le paraclet tel que nommé dans Jean chapitre 14 et chapitre 16. Maintenant, il manquait quelqu'un qui devait prendre la place du Fils. C'est clair. Maintenant, Jésus-Christ, notre Seigneur, a dit dans le livre de Matthieu chapitre 28, il dit que allez prêcher la bonne nouvelle. Il dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il n'a pas dit que jusqu'à ce que vous mouriez. Parce que la dispensation de tout cela sont terminées. Ceux à qui s'adressaient, ils sont vraiment morts. Jésus-Christ n'est pas venu. Par la suite, il va nous donner une révélation qui va marquer l'esprit des cacoïstes. C'est que la révélation, c'est on lui a posé la question au Seigneur Jésus-Christ, quand viendra la fin? Parmi les choses qu'il a dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée jusqu'aux extrémités de la terre, alors viendra la fin. Mm-hmm. Donc c'est la même bonne nouvelle qui est prêchée. Et c'est l'apôtre Paul qui a mis la marque en disant que le premier apôtre a dit que si quelqu'un vient vous annoncer notre évangile, même si c'est un ange du ciel, dans l'ange du ciel, Kakou Philippe est tombé dans la séduction grave par rapport à ces démons. C'est ça le vrai problème. Je vous dis chaque fois sur ces antennes, c'est qu'il a effectivement vu une vision. Vous ne pouvez pas le convaincre. Joseph Smith avait vu une vision. Ellen G. White a eu des visions. Et elle en a laissé l'héritage aux aventures du septième jour. Comment ça s'appelle? Joseph Rutherford, Franklin Rutherford a eu des visions. Des autres en ont eu des visions. Il y en a plein. Je peux les citer nombreux là. Il y a Sky Makihari du Japon, Marilyn Edge et William Cooper, Harold Camp. On peut en citer plusieurs comme ça qui sont venus au courant. On va prendre le frère Junior avec Lim qui assure la technique. Le deuxième élément sonore de la soirée. On revient juste après pour la suite. À tout de suite. Que la crainte de l'éternel soit sur nous. La Bible est un livre d'histoire. Ce livre retrace simplement de l'histoire de ce que Israël a fait pendant la marche. Mais ce livre ne contient pas des préceptes de la façon dont l'on doit marcher, ainsi de suite. Cela revient exclusivement aux prophètes. Vous ne pouvez pas vous fonder sur de l'histoire ancienne. La Bible est un livre d'histoire. Pas plus, pas moins. La Bible est de la préhistoire. Et la Bible, les livres de Matthieu, Marc, Luc et Jean et tout cela doit être classé dans le patrimoine mondial de l'UNESCO. Vous voyez, c'est cela. Les livres de Matthieu, Marc, Luc et Jean
vous devez les voir au même titre que les découvertes archéologiques. C'est cela, c'est de l'histoire ancienne. Vous pouvez être sauvé sans la Bible, mais ce qui vous sauve, c'est le prophète de votre temps. Quand Noé prêchait, nous n'avons pas le livre de Noé, nous n'avons pas le livre de Noé. Moïse n'en avait pas besoin, mais Moïse était le prophète vivant. Et c'est en Moïse qu'il fallait croire pour avoir le salut. C'est en Jésus vivant qu'il faut croire. Et le prophète que Dieu vous a envoyé, c'est le prophète Kakou Philippe. Et quelle est la position de votre livre par rapport à la Bible? La position de mon livre, c'est la position que le livre d'Ésaïe occupait par rapport au livre de Moïse pendant que Ésaïe vivait. La position de mon livre, c'est la position que Jésus-Christ occupait, que les paroles de Jésus-Christ occupaient et par rapport à la Torah, par rapport à l'Ancien Testament, pendant que Jésus-Christ vivait. Mon livre est le livre de vie de cette génération, vous voyez, et c'est par ce livre que l'humanité de mon temps, les vivants de mon temps, seront jugés. C'est ce que vous devez retenir. Ce n'est donc pas par la Bible que l'humanité sera jugée. Par la Bible. Qui est-ce qui a dit que l'humanité sera jugée par la Bible? Les pasteurs. Mais la parole de Dieu, ce n'est pas les pasteurs qui sont les dépositaires de la parole. Ce n'est pas un pasteur qui doit vous dire, ce n'est pas un pasteur, un apôtre, un évangéliste ou un docteur qui doit vous dire comment telle chose et telle chose se passera. Vous voyez, mais c'est un prophète. Et c'est un prophète qui doit vous dire que l'humanité sera jugée par la Bible. Et je vous dis que l'humanité ne sera pas jugée par la Bible. L'humanité ne sera pas jugée par la Bible. Vous voyez, c'est cela. Chaque époque a sa parole, a son livre. Jésus-Christ a dit à ses disciples, à ses 12 apôtres, que 12 trônes seront placés et vous serez assis jugeant les 12 tribus d'Israël. Les apôtres ne jugeront pas les nations. Ce n'est pas par les évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean que les nations seront jugées. Vous voyez, au temps de Moïse, il y a eu ceux qui ont vécu au temps de Moïse. C'est Moïse qui va juger Corée, Dathan et Abiram. Ce n'est pas les apôtres. Ce n'est pas Kakou Philippe. Mais Kakou Philippe va juger ceux de son temps, ceux qui vivent aujourd'hui. En ce temps où nous vivons, cette année, tous ceux qui entendent, qui regardent cette interview, tous ceux qui suivent cela, c'est Kakou Philippe qui jugera tout cela. C'est Kakou Philippe qui jugera sa génération. C'est cela. Ésaïe va juger sa génération. Jérémie va juger sa génération. Les apôtres jugeront les 12 tribus d'Israël, ceux qui ont vécu au temps, au moment où ces apôtres prêchaient. Vous voyez, c'est cela. Et c'est la même chose aujourd'hui. Vous devez comprendre cela. Vous ne devez pas imaginer qu'un trône sera placé. Il y a un Dieu brillant qui va s'asseoir et les gens vont s'approcher ainsi de suite. Ce n'est pas comme ça que ça va se passer. Vous serez, les prophètes sont les juges des nations. Si je suis un véritable prophète envoyé de Dieu en ce temps où nous vivons, je serai le juge des nations pour cette époque, pour cette génération. Que vous soyez catholique, évangélique, protestant, que vous soyez musulman, sunnite, musulman, chiite, djihadiste, chrétien, catholique, protestant, évangélique, benhamiste, tout cela, si vous vivez en ce temps où Kakou Philippe est sur la terre, votre juge, c'est Kakou Philippe. Tous les hommes de Dieu ont toujours conduit l'humanité vers la vie. Mais vous, vers qui conduisez-vous, tous ceux qui croient en vous? Maintenant, Moïse, il conduisait l'humanité vers qui? Ésaïe, il conduisait l'humanité vers qui? Jésus de Nazareth, il conduisait l'humanité vers qui? Le prophète, c'est la vérité de son temps. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Moïse était le chemin, la vérité et la vie en son temps. Kakou Philippe est le chemin, la vérité et la vie en son temps, aujourd'hui. Un prophète ne conduit pas les gens vers quelqu'un, mais un prophète conduit les gens vers lui parce que Christ se révèle au travers de son ministère. Les paroles qu'un prophète prononce, ce ne sont pas ses paroles, mais ce sont les paroles de celui qui l'a envoyé. Ce sont les paroles de Christ, de Dieu lui-même. Et c'est cela. Quand Dieu aime tellement la terre, c'est ce que Dieu fait. Au temps de Noé, Dieu avait tellement aimé l'humanité que Dieu avait envoyé Noé afin que l'humanité ne périsse pas dans le déluge.
Au temps de Moïse, Dieu avait tellement aimé les Juifs en Égypte et il avait tellement pitié des Juifs qu'il avait envoyé Moïse afin que les Juifs soient sauvés de l'emprise de Pharaon. Et ça a été ainsi de génération en génération jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne. Et Dieu avait tellement aimé l'humanité qu'il avait envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, afin que l'humanité ne périsse pas, mais qu'elle soit sauvée. Vous voyez? Et aujourd'hui, au moment où je vous parle, Dieu, Jean 3, 16 s'accomplit encore. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils bien-aimé, le prophète Kakou Philippe, afin que l'humanité ne périsse pas, mais quelle est la vie éternelle. Et c'est ce que vous devez accepter. Vous n'êtes pas obligé de croire, mais c'est la vérité qui vous condamnera, qui vous jugera un jour. Et vous, le plus important, ce n'est pas votre réaction, mais le plus important, c'est que vous attendiez cela et vous l'avez entendu. Prophète, dans un passage de votre livre, vous avez dit que la Bible est un vaudeau. Comment expliquer ce tout ce qui ne conduit pas l'humanité vers le un prophète vivant, c'est un vaudeau. C'est qui Et tout ce qui peut éloigner l'humanité d'un prophète vivant, c'est un veau d'or et un objet de perdition. C'est ce que vous devez retenir. C'est le veau d'or, l'or est précieux. Vous voyez, l'or est précieux. Le livre d'Esaïe est précieux. Vous voyez, Esaïe a apporté son livre, Jérémie a apporté son livre, Matthieu, Marc, tout cela, ils ont apporté cela et ils ont formé la Bible. Maintenant, si la Bible doit faire que... Si la Bible doit vous détourner pour ne pas regarder à Kakou Philippe, alors la Bible est un veau d'or et un objet de perdition. Je crois que vous avez compris. Le livre du prophète Kakou Philippe est le livre de vie de l'agneau aujourd'hui. Par ce livre, les vivants de mon temps seront jugés. Ainsi, c'est par le livre du prophète Kakou Philippe que vous serez sauvés ou condamnés. C'est le livre du salut de cette génération. Tous ceux qui vivent aujourd'hui en mon temps et qui m'attendent seront jugés par le livre du prophète Kakou Philippe. Madame, c'est cela. C'est par le livre du prophète Kakou Philippe que l'humanité d'aujourd'hui sera jugée. C'est cela. Quand Apocalypse dit que un livre fut ouvert et des livres furent ouverts, pour notre temps, ce sera le livre du prophète Kakou Philippe. Et tout se trouve dans le livre du prophète Kakou Philippe. C'est cela, madame. Ce livre existe sous différents formats. Vous pouvez l'avoir en logiciel pour téléphone. Vous pouvez l'avoir en format e-book. Vous pouvez l'avoir sous toutes ses formes. Et c'est entièrement gratuit. Ce que je voudrais dire à tous ceux qui m'écoutent, c'est que pour ce temps, ils ne peuvent être sauvés que par le livre du prophète Kakou Philippe. C'est uniquement par le livre du prophète Kakou Philippe que vous serez sauvés ou condamnés. Le livre du prophète Kakou Philippe est le livre de ton jugement. Toi qui m'écoutes, que tu le veuilles ou pas, c'est ce que ce livre est pour toi, que celui qui a les oreilles pour entendre entend. Après, vous avez écouté l'élément sonore. Hein. Et j'imagine que Dynamic FM ben, ne traite pas de parler sur tous les points qui sont touchés. Allez-y, Frère Junior. Peut-être même qu'on fait, ça sera le dernier fichier pour la semaine prochaine. Peut-être qu'on fera une deuxième émission toujours sur Kakou Philippe, Frère Junior. Oui. Je rappelle que ce sont ces éléments qu'on écoute, sont les extraits des émissions qu'il fait qui sont sur son site, Frère Junior. Oui, en fait, et là, ils doivent se reconnaître. Une première chose que je remarque, c'est qu'il rend témoignage de lui-même. Mm-hmm. Ou effectivement, comment il se personnalise dans ce discours. Mm-hmm. Il dit que la Bible est un veau d'or si ça n'indique pas Kakou Philippe. Pas disant qu'il s'est cherché à l'intérieur, il ne s'est pas vu. Mm-hmm. Et là, il a du taxes là des d'accord. Et à la fin de son propos, ici, je suis en train de prendre du récent plus pour remonter. Mais là, c'est un peu étonnant. Quand il dit, par exemple, que la Bible est un veau d'or, parce que ça ne parle pas de lui. Parce que ça parle de lui. Comme si... Matthieu chapitre 25, verset 6. C'est étonnant. Et c'est un petit peu comme si à chaque fois qu'il y a un nouveau prophète, l'ancien livre, le livre de l'ancien prophète, est un veau d'or. Et c'est là le vrai problème. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'a pas compris les Écritures. Vous voyez effectivement comment il cite Noé, Moïse, Daniel, chaque prophète. Il croit effectivement que chaque prophète était un sauveur en son temps. Mm-hmm. Je vais lui rappeler, et lui et tout le monde, que depuis les premiers prophètes, c'est-à-dire le premier prophète Adam, jusqu'à Jean-Baptiste, il n'y a pas eu de prophète sauveur
Aucun des prophètes n'était venu prêcher pour sauver l'humanité. Il n'y a eu aucun verset comme ça dans l'écriture qui dit à quelqu'un d'aller prêcher pour sauver l'humanité. C'est Jésus que la Bible déclare que cela était gardé depuis l'éternité dans le sein de Dieu pour manifester au temps convenable. Lorsque le temps convenable a été, il a envoyé son fils né de la Vierge pour délivrer ceux qui étaient sous le coup de la servitude. Et la Bible déclare que depuis la loi, avant la loi de Moïse, ceux qui à cause du péché d'Adam, les gens qui étaient même n'avaient pas commis le péché qui était digne comme le péché d'Adam était lié par ce même péché là. Donc nonobstant la loi, les gens mouraient toujours. C'était le problème de la solution du péché que le Seigneur Jésus est venu régler une fois pour toute l'humanité depuis le premier jusqu'au dernier. Mais qui est-ce que ces prophètes là annonçaient? Qui est-ce qui prêchait? C'est ça je veux en venir. C'est pour ça que je lui dis qu'il faut d'abord qu'on comprenne que lui et ses disciples envoûtés puissent comprendre. La première chose c'est que aucun des prophètes il fallait croire en son temps à la prédication de lui. Il fallait croire Noé pour être sauvé. Pour Moïse, il fallait croire pour sortir de l'Égypte. Non, Dieu a un plan qu'il a établi avant que les Juifs ne partent en Égypte. Celui qui a dit au prophète Abraham que sache que ta descendant sera dans ce pays là 4 siècles après, je vais les sortir. Il a dit qu'il va les sortir. Donc, de toute façon, il devait les sortir puisque les Juifs, il a envoyé Moïse sans que les Juifs ne sachent même pas de quoi il est question. Il est venu les a fait sortir avec les signes dont il était question. Donc, Dieu n'a jamais envoyé quelqu'un pour aller sauver. Ce qu'il veut dire, pour aller sauver, c'est Jésus seul qui est le sauver parce que tout le monde pointait le Seigneur Jésus Christ. C'est ça, dans ce livre d'Ésaïe, Ésaïe va justement, chaque prophète va le voir. Il a dit que la Bible déclare que tous les prophètes, dans le livre de 1 Pierre chapitre 1, la Bible déclare que tous les prophètes ont annoncé ce jour et ont fait de ces saluts l'objet même de leur investigation. Et il leur fait dire que ce n'était pas pour eux, qu'ils étaient seulement les dispensateurs de ces choses que maintenant vous annoncez, ceux qui vous ont annoncé l'évangile par le Saint-Esprit dans lequel les anges du ciel désirent plonger leur regard. Donc au ciel, les anges désirent savoir de quoi il est question. La Bible déclare qu'Abraham même traçait les joies du fait qu'il verrait les jours du Seigneur. Il dit heureux ceux qui voient, vos yeux qui voient ce que vous voyez, parce que plusieurs prophètes ont désiré voir cela, parce que tous les prophètes ont annoncé ce jour. Jésus, avant de vous passer la parole, notre Seigneur, dans le livre de Luc au chapitre 24, a dit aux disciples, quand il a ressuscité, dans cette chambre-là, après avoir présenté la main en disant que l'esprit n'est ni chair ni os, comme vous le voyez, il a pris le rond du mur et l'a mangé. Il dit qu'ainsi, il est écrit dans le livre de Moïse, dans les prophètes, dans les psaumes. Il fallait que tout cela s'accomplisse, que le Christ souffrirait le troisième jour et que le Seigneur des morts, le repentant et le pardon puisse être annoncé en son nom, en commençant par Jérusalem jusqu'à toutes les nations. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Donc ça veut dire que tous les prophètes annonçaient ces jours-là. Donc prophétiquement, chaque prophète qui venait annoncer Christ, il pointait Christ Jésus qui était le sauveur. C'est pour ça que ce salut-là, enfin, permettez-moi de lire le livre d'Hébreux, chapitre 7, verset 25. Allez-y, frère. À partir du verset 2, oui, la Bible déclare, verset 22, Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, Jésus, il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible, dit la Bible. Après, il dit verset 25, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Fin de citation. Donc, boucle tout la personne Jésus-Christ qui est physiquement, qui était aussi un prophète à la fois, qui est mort sur la croix ressuscité, peut sauver désormais. La Bible déclare, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours, on dit ceci, alors qu'il est longtemps mort, ressuscité, allé au ciel. On dit, étant toujours vivant pour intercéder, pour sauver, pour s'approcher de Dieu par lui. C'est aussi pour cela, verset 25 de Hébreux 7, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Donc, la Bible qui nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tâche, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. Voilà la personne qui nous a sauvés. Ce qu'on comprend, frère Junior, là, c'est que avant que Jésus vienne, toutes les personnes qui travaillaient pour lui. Et après lui, tous ceux qui travaillent toujours pour lui. Absolument, parce que c'est en cela que cela consiste. C'est pour ça que l'apôtre a mis en garde plusieurs fois à Colossiens, dans Colossiens chapitre 2, verset 6, il dit, maintenant que vous avez reçu Christ, reste demeuré en lui, marchant en lui. Il dit que prenez garde que quelqu'un ne vous trompe pas sa philosophie. Au verset 18 de Colossiens chapitre 2, il va dire que faites attention à des gens comme Kakou Philippe qui s'abandonnent à ses visions. Donc effectivement que le vision c'est un problème. Comme lui de l'église aujourd'hui, le mariage s'obtient par vision, les séparations par vision et autre chose. Voilà ce qu'il en est. Et là ça fait donc de Jésus-Christ un personnage différent de tous les autres personnages de la Bible. Si celui-ci comprenait ce que veut dire être le souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Il bouclait sa souffrance. Kakou Philippe le prend comme un prophète. C'est pour ça qu'il parle d'un prophète.
prophète en son temps. Il croit que Jésus était un prophète en son temps. Mm-hmm. Mais souvenons-nous de ceci. Il ne veut pas prendre la divinité. Il y a des choses qu'il va prêcher qui sont vraies, comme tous les autres satanistes. Qui vont prêcher, dire des choses qui sont vraies. Mais là, il a détourné Christ. Parce que lorsqu'il se présente comme Jésus, il dit que Jésus était la lumière en son temps. Mm-hmm. Kakou Philippe, il a dit clairement que uniquement, c'est pas uniquement le livre de Kakou Philippe que tu seras sauvé. Or, il a dit plutôt pour la Bible que si quelqu'un vous dit que aujourd'hui, on a compris qu'on peut obtenir le salut par la Bible. Or, la Bible n'a jamais dit nulle part que le salut, c'est pas la Bible. Ah, c'est ça le vrai problème. Mm-hmm. La Bible dit le salut est en nul autre qu'en Jésus-Christ. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui est donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Mm-hmm. Acte chapitre 4, verset 12. C'est ce que la Bible déclare. La Bible déclare dans Acte chapitre 10, au verset 42, que Jésus nous a ordonné de prêcher et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Ah, d'accord. C'est lui que nous annonçons. Ah, mais au moins, c'est la Bible qui révèle Jésus-Christ. Absolument. En fait, la Bible déclare que tout a été créé par lui. Elle est la parole. Vous voyez, c'est ça qui est la différence. Dieu ne se révèle pas au travers d'un livre. Il se révèle et puis il envoie les gens dans le livre. Ah, c'est ça le vrai problème. Ah, donc, ce n'est pas le livre. Le livre est seulement un garde-fou. C'est ça qu'il a dit, prenez garde. Le Seigneur Jésus a dit tout à l'heure, par exemple, dans Marc, j'ai lu, il a dit que le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Mm-hmm. Mais ce garçon a dit qu'on met tout cela dans le musée. Jésus a dit que tant que le ciel et la terre seront là, ses paroles seront là. Mm-hmm. Les Juifs qui étaient devant lui, quand ils croyaient qu'il est venu pour abolir la loi, il a dit que tant que le ciel subsistera, il ne sera pas ôté un seul iota. Jésus a parlé de I tout simplement, la lettre I. Kakou Philippe a enlevé 66 livres. Donc vous voyez ce qu'il en est, c'est un être dangereux. Vous avez fini le développement, vous avez fini le développement. En fait, il y a plusieurs choses à dire par rapport à lui. Là, il dit que l'humanité sera jugée par Jésus. Par lui-même. Il parlait de lui comme étant législateur. Permettez-moi de lire le livre de Jacques. Allez-y, Frère Junior. Oui. Je rappelle, bien, si vous voulez participer à l'émission par appel direct ou encore par SMS au travers des 6 71 02 04 85 6 91 60 02 84, on ira ensemble jusqu'à 21h50, Frère Junior. C'est possible de vous avoir déjà? Oui. Jacques chapitre 4, le verset 12. Je vais lire pour vous voir, pour vous montrer quelque chose. Parce qu'il a dit que si on veut le contredire au travers de la Bible. Oui. Oui, Jacques chapitre 4, verset 12. La Bible nous déclare, en prenant verset 11, il dit: ne parlez point mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi. Mm-hmm. Et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Après, il dit, suivez-vous, c'est la Bible qui le dit. Puisque dans votre propos, vous avez dit qu'il a dit que si on veut le contredire avec la Bible, on le contredit avec la Bible. Mm-hmm. C'est ce que la Bible déclare. Un seul est législateur et juge. Ah, d'accord. C'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain? Ah, d'accord. Donc, la Bible est claire ici que la personne qui est législateur, c'est lui qui est le juge et c'est lui qui peut sauver. Mm-hmm. Et Dieu a dit dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 42, il dit que en dehors de moi, il n'y a point de sauveur. Mm-hmm. Il est le seul sauveur. Il est unique. La Bible déclare que Jésus est notre sauveur. Dans Tite 2, 3, c'est développé là-bas. C'est Christ. La Bible déclare autant marqué. Lorsque le jour de miséricorde est arrivé, Dieu nous a sauvés. Donc il n'y a qu'un seul sauveur, il n'y a pas deux. Dans l'histoire de l'humanité, il n'y a pas deux sauveurs. Ah, c'est Jésus-Christ. Ah, d'accord. Un seul sauveur qui est annoncé d'avance et qui vient en fait. Absolument. Après son départ, les autres viennent encore pour l'enseigner. Pour enseigner ce salut-là qui est destiné pour tout le monde. Ah, d'accord. Absolument. Voilà, Frère Junior, avant de partir, parce qu'on a plus que, je pense, 4-5 minutes avant la fin de l'émission, on a le troisième élément sonore de la soirée qu'on n'a pas pu écouter, malheureusement. On l'écoutera la semaine prochaine. Donc, on fera donc obligation oblige une deuxième partie sur Kakou Philippe, Frère Junior. Est-ce que la Bible parle de ce type de personnes ou encore qu'elle explique qui anime Kakou Philippe? Ah, j'ai pas probablement que c'est le Saint-Esprit qui vous a parlé de cela maintenant. Regardez très bien. C'est Dieu qui a envoyé Kakou Philippe. Ah, ça? Oui. Oh. Je suis sûr que vous êtes surpris. Vraiment surpris, Frère Junior. C'est lui qui l'a envoyé. Vous savez pourquoi? Non. Pas pour qu'il soit le messager de cette époque. Pour tester si les gens ont foi en lui, tel qu'il a déclaré. Est-ce qu'on peut avoir ça dans la Bible, Frère Junior? Oui, lisons, non, Deutéronome. Allons-y, Frère Junior. Deutéronome chapitre 13, vous allez voir votre Bible et vous allez voir effectivement ce que Dieu en a dit. Chaque fois, la Bible déclare que la parole de Dieu doit être éprouvée. Ah, d'accord. Donc, la Bible déclare. C'est quand même étonnant de savoir que c'est Dieu qui l'a envoyé. Absolument, je vous allais suivre. Je vais vous dire, je vous avais dit sur ces antennes que Satan est un serviteur de Dieu. Voici un de ses disciples. Ah, d'accord. Regardez. D'accord. Au chapitre 12 de Deutéronome, je vais lire le dernier verset. Puis je vais aller au chapitre 13. Regardez bien. Le dernier verset du chapitre 12 de Deutéronome, donc au verset 32, il dit: vous observerez et vous mettrez en pratique toutes les choses que je vous ordonne. Après, il dit: vous n'y ajouterez rien et vous n'en retrancherez rien. Donc Dieu, en donnant la Torah aux enfants d'Israël, il leur a dit qu'on ne doit rien ajouter, on ne doit rien retrancher. Enfin, il réitérait cela, ce qu'il avait d'abord dit dans chapitre 4, verset 2. Mm-hmm. Maintenant, au chapitre 13, qu'est-ce qu'il dit? Il dit: s'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qui est accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant... Remarque, je vais d'abord m'arrêter ici. Mm-hmm. Dans le critère
qu'un prophète prophétise et fait des miracles n'est pas suffisant pour dire qu'il est un vrai prophète. Ah, d'accord. C'est ce que Dieu veut nous dire ici. Mm-hmm. Lorsque un prophète dit quelque chose et ça arrive, il faut passer à un autre niveau pour pouvoir l'examiner. Ah, d'accord. Parce que ça veut dire ceci. Regardez bien ce que Dieu va dire. En disant, allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connaissais point, et servons-les. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car, c'est l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve. Ah, d'accord. Ah, ça. Car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve pour savoir si, écoutez bien, frère Billy, pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme. Donc, les prophètes tels que Kakou Philippe, Mohamed et autres là-bas, Confucius et autres là-bas, ce sont des païens. Mais au milieu de l'église, quand quelqu'un entre ainsi, parce qu'il a prophétisé dans le Nouveau Testament, c'est plein là, que plusieurs vont aller dans la dérive avec lui. Mais pour ceux qui aiment le Seigneur, c'est un test, c'est un élément de test pour savoir si quelqu'un était dans la foi. Mm-hmm. Si quelqu'un balote en tout vent de doctrine, comme Éphésiens le dit, et qui suit ce genre de personnes, ça suppose qu'il n'était pas stable là-bas. Parce qu'il dit clairement qu'ils sont sortis du milieu de nous. Si ils avaient été de nôtre, ils seraient restés. Car cela a été manifesté afin que tous, on sache que tous n'étaient pas de nôtre. Donc, en somme, la Bible déclare ici que lorsque le prophète va venir dire quelque chose, même s'il y a accomplissement, si cet accomplissement, les miracles et les signes qu'il envoie, c'est pour te faire quitter ce qu'il a écrit. Ah, c'est pour te faire quitter la voix de Dieu. Mm-hmm. C'est pour te faire quitter l'amour que avait pour le Seigneur, il y a un problème. Vous remarquez très bien que il a dit dans ses propos ici que chaque fois quand quelqu'un va venir annoncer, le messager n'annonce pas une autre personne. Il a dit clairement qu'il doit annoncer lui-même. Il annonce lui, c'est lui qui doit faire, lui dans les questions. Or, en aucun cas, Esaïe ne s'est pas prêché. Il n'y a pas un seul apôtre, même dans l'Ancien Testament, qui s'est prêché lui-même. Esaïe a annoncé le Seigneur dans tous ses angles jusqu'au millénium. Jérémie n'a même pas annoncé le Seigneur de ses 14. De temps en temps, il a annoncé, mais il avertissait les Juifs. Il dit que un prophète est sur la terre lorsque il n'y a plus de vérité. C'est un mensonge fou. Il y a toujours la vérité sur la terre, mais la voix de la vérité a été pervertie, il vient pour restaurer. Chaque fois quand Dieu envoie les prophètes, c'est pour restaurer sa vérité. La prochaine fois, je ferai une deuxième émission sur lui, frère Junior. Que le Seigneur vous bénisse et bénisse tous les enfants qui le suivent. Merci à vous, merci à tous et à chacun. Billy Collard, c'est mon nom. Lim Landry était à la technique. À vendredi prochain pour la deuxième partie de l'émission sur Kakou Philippe. Soyez bénis. Bonsoir à tous. Que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Elle doit être sur nous. Oui, que la crainte. Bon week-end sur FM. La radio.